So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Josh, reste pas dans nos pattes, faut que je finisse mon reportage sur l'équipe de basket pour le journal. Cool, Kenny, relax, laisse-toi tranquille. Allez, viens, on va se doucher. T'as vu l'heure qu'il est? T'avais dit qu'on rentrerait tôt. J'ai dit ça aux parents, pas à toi. C'est toujours la même chose avec toi. Je sais bien pourquoi tu veux pas rentrer. Kenny! Bon, une fois que tes parents sont pas là, si tu crois que je vais dormir à la maison... Attends, Shannon, je te raccompagne. Laisse-moi réfléchir. Plutôt mourir. On se casse, Kenny. Tu viens pas avec nous? Non, je fais encore quelques paniers. Ok, comme tu veux. À plus, vieux. Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle aventure suivie, donc sur Obscur. Donc on commence par faire ce qu'il avait dit, à faire quelques paniers, même si bon, on va pas faire énormément, parce que bon, c'est pas non plus ce qui est le plus passionnant dans ce jeu, je vous avouerai de pouvoir faire des paniers au début, donc on va... Attendez, au fait, j'ai dit une toute nouvelle aventure suivie sur Obscur 2 ou sur Obscur? Parce que si je l'ai dit sur Obscur 2, je me suis planté, c'est sur Obscur, donc je ne sais pas s'il y a un fail, je ne m'en souviens plus, mais bon... C'est pas trop grave, je me suis corrigé. Donc on voit une superbe intro déjà, avec une superbe musique. Franchement, j'adore la musique de l'intro. En même temps, moi, il n'en faut pas beaucoup pour me satisfaire. On me met des guitares, des batteries, je m'en fous, je suis heureux. Attendez, il y a quoi ici? Je sais pas. Pas grave. On va se diriger tout de suite vers les vestiaires pour aller récupérer. Merde, ça doit être acheté, ah, le téléphone sonne. J'aurais dû penser donc, à éteindre on va tout de suite aller répondre à ce téléphone. On voit aussi qu'il y a un petit système à la Silent Hill, déjà, de regard qui se dirige vers les choses importantes. Donc par exemple, là, le téléphone qui sonne. Allô? Kenny, tu devais m'appeler, t'as oublié qu'on devait se voir? Mais non, Ashley, tu sais que je suis pas comme ça. Je viens de finir l'entraînement. Je prends une petite douche et j'arrive. Bon, ne sois pas en retard cette fois. Allez, à plus, bisous. Ok, à tout de suite. Hé, mais... Où est mon sac? Eh merde. Génial, notre perso qui trouve le moyen de se faire piquer son sac pendant le... Allez, les 30 secondes de le 30 secondes qu'il a tourné le dos. Visiblement, aujourd'hui, VDM. Donc on va tout de suite partir à la poursuite du voleur parce que... Bah, parce que merde, attendez, ça se fait pas de voler le sac des gens comme ça. Donc... On court, donc déjà pour les contrôles en fait, la souris ne sert à rien, les plans sont fixes. Donc là en fait les caméras se déplacent en fonction de comment je bouge mon personnage, mais c'est pas moi du tout qui contrôle. Ça pour ça je peux absolument rien faire pour les caméras, donc par moment je vous l'avoue, dans ce jeu, les angles de caméra seront pourris. Mais ça, je n'y peux rien, je n'y peux absolument rien, au contraire ça va même plus souvent me gêner que autre chose par moment. Mais bon, après tout, hein, c'est vrai que comme ça permettait souvent de faire des économies de... au moteur graphique, de faire des économies d'énergie en évitant d'avoir à calculer les décors qui ne verraient jamais. Par exemple, vous avez vu, dans la cinématique d'intro, on a vu qu'il y avait des bombes, l'ordinateur il ne les calcule pas, tous ceux qui se trouvent dans une zone, parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de les voir. Qu'il y avait un jardin derrière cette porte en fer, d'habitude elle est fermée. On voit qu'ici tout est fermé, cette porte-là est fermée et toute cette porte-là est fermée, donc on va tout de suite se diriger vers l'autre côté. Déjà j'adore, on se retrouve déjà dans une porte en fer qui d'habitude est tout le temps fermée, ce qui est déjà absolument rassurant.
Ensuite, même derrière cette porte en fer, je l'ai tout le temps fermée. Il y a quand même un endroit fortement rassurant, parce que c'est pas pour dire, mais moi je vois un truc comme ça, moyen quand même. Donc on ramasse du scotch et une lampe torche. Lampe torche, élément essentiel dans tous les survival horror. Le jour où il y aura un survival horror sans lampe torche, je porte plainte. Et dans Resident Evil, t'as pas de lampe torche. Bonjour. C'est vrai que je viens d'y penser, Resident Evil, il n'y a pas de lampe torche. J'y ai pensé au moment où je l'ai dit en fait. Donc, ah, on va. Oui, mais. J'appuie sur A. Ah, ok, faut bouger les flèches. Hop, et au flingue. Ok, j'y vais. Tiens, c'est marrant, les icônes ont l'air à boîtier mouflées par l'écran. C'est parce que j'ai mal réglé ou pas? Pourtant, c'est marrant, c'est j'ai mis du 16/9, normalement c'est mon écran. Bizarre. Oui, je confirme, en plus, c'est bien. Derrière ce jardin qui déjà est super engageant, on trouve déjà un endroit avec une lampe torche et un flingue, normal. Dans un lycée, comment ça, des flingues et des flingues qui traînent dans des lycées, ça vous dérange pas, vous? Ça vous dérange, vous, pardon? Et là, on se retrouve dans un endroit où il y a des racines qui bougent. Ok. Et des bestioles qui courent. Oui. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Le passage qui va montrer qu'Alan Wake n'a rien inventé. On glisse et on augmente la puissance de la lampe torche. Et que fait l'ombre? Elle disparaît. Alan Wake n'a rien inventé, je vous disais. Donc maintenant qu'on aura disparu, on peut accéder à la porte qui se trouve derrière, porte où on va tout de suite aller. Si j'ai l'air de savoir où je vais, c'est qu'en fait j'ai commencé un peu le jeu pour parce que les contrôles, pour m'habituer aux contrôles et... Parce que j'avais joué à sa sortie en 2004, donc 8 ans, ça fait loin quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais joué une fois il y a 8 ans. Donc je me demande bien à quoi peuvent servir ces carrières. À contenir des bestioles, et j'ai pas envie de savoir quelle bestiole moi. Donc, je me demande pas du tout. Oui, il y a du sang par terre. Du sang. C'est génial. C'est pas par là. Ah non, il y a une porte ici. Merde, j'avais raté la porte. C'est vrai qu'à chaque coup, je ferai la connerie. Je me souviens quand j'ai essayé le jeu, j'ai fait la même. Donc cette porte est fermée et donc l'autre va s'ouvrir et derrière on va trouver un lit. Et des messages sur le mur. Merde. Ah putain. Quel con. C'était pas voulu. Je voulais pas sortir. Donc désolé pour ce petit retard. Je peux séparer, ça fait pas perdre extrêmement de temps, les chargements sont assez rapides, comme vous le voyez. Mais putain, c'est quoi ce trou? Hé. Ah non, me frappez pas. Relax, je vais pas te faire de mal. Hein? Tu t'es fait avoir toi aussi. Comment ça? T'as pas compris? Faut qu'on sorte d'ici, et vite! Ok, on se casse. Quoi que tu fasses, me laisse pas tomber, mec! Il est taré! T'inquiète. Il a une tête bizarre, le personnage qu'on vient de trouver, donc visiblement on vient de... On vient de voir que... On vient de trouver un personnage bizarre qui vient de nous parler d'un mec qui serait taré. Enfin, je pense que c'est un mec puisqu'il dit il, donc bon, en général quand on dit ça, c'est pour parler d'un homme. Ouais, je pense qu'il parle d'un homme. Donc, et il vient de trouver une arme. Bon, d'ailleurs, petit bug de script, je vais passer à la porte avant qu'il trouve l'arme, mais du coup, il l'a pris l'arme. Bon, c'est pas grave, on peut gagner du temps. Donc, une bête, ce qu'on va faire, c'est on va tout de suite fuir parce qu'on n'a pas assez de munitions pour la franchir. Donc on se barre. Et vite. Il est trop fort. Tirons-nous d'ici. Et ensuite la porte est bloquée. Donc on va pousser la porte pour essayer de... De se barrer le plus vite. Donc on court. Je crois que notre ami vient de se faire bouffer. Merde. Là je m'appelle. Et voilà, et on peut s'échapper. Et on réussit à s'échapper. On atteint l'échelle.
Ah non, c'était une blague, en fait, on réussit pas. Oh, pimp. Donc, bah, notre personnage se fait coincer comme une merde dans le tunnel. Génial. Ça, c'est un début de jeu qui commence bien. Premier personnage, on incarne. Pof, allez, il crève. Kenny n'est pas rentré de la nuit. Vous avez dû vous éclater. Tu parles. Tu lui diras de ma part que c'est un crétin. Mais... qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a posé un lapin. Ton frère commence à me gonfler. Mais alors, s'il n'était pas avec toi, il a peut-être... Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Et Josh? Où est Josh? Allez, c'est l'heure. Oh, jamais il nous lâche, le directeur. Allez, dépêchez-vous. Monsieur Garrison, fermez les grilles et envoyez-moi les retardataires. Oui, profitez du soleil tant qu'il brille encore. Asseyez-vous. Il est bizarre, silence, le directeur, non? Salut les filles, bah vous en faites une tête. Kenny a disparu. Tu serais pas au courant de quelque chose, par hasard? Non, j'ai bossé sur mon film toute la soirée. Personne ne l'a vu depuis hier soir. Ça commence sérieusement à m'inquiéter. Y a de quoi? Il a dû se faire kidnapper par des aliens qui ont fait des expériences sur lui avant de le massacrer. Humour, Josh, mais pas drôle. À ta place, s'il te plaît. Bien. Ce matin, nous allons parler de génétique. Il vaudrait mieux prévenir les flics. Tout à fait approprié, d'ailleurs. Vous remarquerez. Pas d'ici là, on se retrouve à la cafette à 6h pour le chercher. On n'a qu'à faire ce que dit Josh. Yes, enfin une vraie enquête. Donc, visiblement, on va se retrouver avec nos amis Ashley et Shannon, donc la sœur et la petite amie du mec qui s'est fait kidnapper au tout début. Et Josh, un mec qui aimerait bien visiblement trouver un reportage intéressant. Fiche, visiblement, un mec qui a envie de devenir journaliste plus tard. Arrête, Josh, c'est vraiment pas le moment. Ou cinéaste dans un genre de film assez particulier, vu les plans qu'il est en train de filmer. Mais je dis ça, je dis rien, vous remarquerez. C'est fermé. Genre de film que je ne prendrai pas la peine ça de va, préciser, vous avez dû deviner comme moi. Donc visiblement, on s'est fait enfermer comme des trucs. Comment on va sortir d'ici maintenant? C'est con, bah tu vas passer la nuit là. C'est bête. Par rapport, remarque en une nuit, cette laisse le temps de trouver Josh. Donc on ramasse une batte et un disque. Disque qui va nous permettre à sauvegarder. De sauvegarder, je voulais dire. On tape sur ça. On tape sur ça, les vitres, on peut les péter avec la batte. Il l'a dit lui-même, la batte permet de casser des trucs. Et regardez, si on donc choper, que... on va se faire virer. Ta gueule. Cette serrure a l'air facile à crocheter. Donc cette serrure a l'air facile à crocheter, mais on n'a rien pour la crocheter. Donc là, porte vitrée. Quel est le mot important dans porte vitrée? Je vous le fais pas dire, c'est vitré. Dommage. Donc, visiblement, on s'est trouvé un petit point de repère. Donc nos amis, les deux là... vont rester ici. Oh, quoique non, c'est vrai que j'y pensais, je vais peut-être prendre, okay, je vais peut-être prendre celle-là. Va. Voilà. Donc, vous voyez, on peut lui donner des commandes à notre ami. À notre petit, à notre cher ami Shannon. Donc, Shannon Matthews porte haute les couleurs de Liftmore. Elle a remporté la finale de l'émission Génie Champion. Donc, visiblement, on a un génie champion à côté de nous. Pas grave. Mais donc, on va tout de suite sortir d'ici. Là, je pense que je vais pas trop tarder. Je vais juste encore faire un dernier petit truc avant de vous quitter. Parce que là, c'est un petit épisode court pour l'intro. De toute façon, en général, dans ce let's play, les épisodes seront plus courts que dans le que pour Resident Evil. Parce que comme je suis obligé d'enregistrer les épisodes avec frappe en 60 fps, ça pèse très lourd. On va vous, pour vous donner un exemple, pour 15 gigas, je dois poser à peu près les 20-25 gigas de vidéo. Donc bon, c'est quand même relativement long. Donc on vient de trouver le plan. Donc le plan qui, vous voyez, se met à jour comme celui de, par exemple, Silent Hill. Donc avec... comme avec celui de Silent Hill. Ah, j'avais pas vu ça. Attendez. Espace, aide. Oh bah. Attendez, j'avais pas vu. J'ai rien compris.
Ok, donc visiblement on a encore rien sur les indices et les personnages, c'est pour ça qu'il veut pas y aller. Dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit descriptif quand même de nos trois personnages ici, mais bon. Pas grave. Et donc vous voyez, il y a une petite particularité qui est pas mal. C'est que quand on appuie sur F, on peut retourner directement ici, et ce, où qu'on soit. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça permet de gagner un temps fou, je pense. Ça va nous permettre de gagner un temps fou. Donc ce sera une fonctionnalité dans la durée de la que dont je n'hésiterai pas à me servir tout au long de ce let's play. Et puis donc, et ben, c'est dans cette halle que je vais vous quitter pour cet épisode. Et puis moi, je vais enchaîner sur l'autre pour essayer. Parce que les disques seront limités dans ce let's play, je crois. Je crois. En normal, je crois que c'est ça. Une sauvegarde égale un disque. Donc actuellement, je n'ai qu'une sauvegarde. Donc j'ai pas trop envie de la gaspiller. Donc je préfère sauvegarder tout de suite. Puis comme ça, bah, je préfère enchaîner tout de suite. Puis comme ça, bah, vous aurez l'autre épisode dimanche. Je pense que le rythme de diffusion, ce sera mercredi dimanche. Il y aura un épisode d'Obscure. Et puis donc après, bah, lundi, vendredi, ce sera Resident Evil. Ça fait des semaines sympas, avouez. Resident Evil 3, bien sûr. Pas encore le premier. Bientôt, bientôt. Quand je dis bientôt, je sais pas, faudrait que je fasse, j'ai trop de jeux en fait à faire. Mais bon, donc voilà, donc on va se quitter ici en espérant que cet épisode vous aura plu, en espérant que vous laisserez un pouce vert, un commentaire, que vous n'hésiterez pas à partager cette vidéo autour de vous, car je vous avoue que personnellement, moi j'aimerais bien avoir un objectif pour cette fin d'année. Bien sûr, je dis j'aimerais bien, si je l'ai pas, je m'en remettrai, je vais pas arrêter des vidéos parce que je l'ai pas. Mais j'en suis à 42 abonnés, j'avoue que j'aimerais bien atteindre les 50 pour la fin d'année. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à laisser des pouces verts, des commentaires, ça augmente la visibilité. Et puis bah donc voilà, avec pour objectif 50. Donc vous serez 50 abonnés, en espérant que vous serez 50 abonnés d'ici la fin du mois de décembre. Donc voilà, à la prochaine pour un tout nouvel épisode d'Obscure. Allez, bye!